Madagascar raconte son histoire avec des photos. 165 ans après l'introduction de la photographie sur la Grande Île, le premier musée consacré exclusivement à cet art a ouvert ses portes. Son but, rassembler ces archives qui se sont perdues entre la France et Madagascar et sauver ce patrimoine en péril. Visite guidée avec Gaëlle Borgia. Le rêve de cette historienne malgache est en train de devenir réalité. 4 salles de projection high-tech où seront projetées des photos digitalisées. Bienvenue dans le premier musée de la photographie de Madagascar. Déboussolé, Eliane Tradzonarson, à l'origine du projet, fait ses tout premiers pas dans ce nouvel univers 2.0. On se rassemble ça. C'est incroyable. Oui. Rire d'émotion et de joie, car c'est l'aboutissement de 5 ans de travail. 5000 photos collectées auprès d'institutions et de particuliers ont été numérisées. Certaines d'entre elles ont été insérées dans des vidéos à thème pour le public. Il y avait urgence, le patrimoine photographique malgache était en danger, abandonné dans des greniers, abîmé, parfois même volé. Ce chef d'entreprise belge, né à Madagascar, rencontre Eliante et décide de consacrer plusieurs dizaines de milliers d'euros à ce projet de musée. Alors, j'ai toujours été sensible au concept de patrimoine, et c'est vrai que ce patrimoine qui disparaît alors que c'est pas tellement difficile avec les technologies actuelles de le sauver, ça me faisait mal au cœur. Et ces racines photographiques sont des racines qui parlent à tout le monde. Il y a des livres qui existent, mais ils sont parfois longs et difficiles à lire, tandis que montrer une photo de Tana il y a 100 ans, ben, ça parle à un enfant comme ça parle à une personne qui est beaucoup plus érudite. Difficulté majeure, la moitié des photos collectées est d'origine inconnue. Grâce à la contribution des chercheurs et du grand public, l'association espère documenter les photos et constituer un patrimoine historique. Les gens, quand ils voient les photos comme ça, c'est une vieille photo, c'est tout. Moi, je m'arrête et je regarde les tissus. Je regarde les habits, je regarde les dentelles. Je vois tout. C'est un trésor qui renferme plein de choses. C'est comme une boîte... Boîte à mystère. L'histoire peut se faire avec la photographie. On peut écrire l'histoire avec les photographies. Une histoire qui sera accessible gratuitement à une classe de collégiens ou lycéens par semaine aux frais du musée. Il était simple.